Bon, j'ai une idée, bouge pas d'un centimètre que je t'ai fait un crowbar. Si on prend un verre, qu'on colle une languette qui a la même couleur que le ricassou quand il est bien dosé. Tu vois la couleur que je veux dire. Quand tu sers ton ricassou, quand c'est bien dosé, la languette, tu la vois pas, puisque c'est la même couleur que l'intérieur. Et par contre, comme plus tu vas rajouter d'eau, plus le machin va changer de couleur, va s'éclaircir, et là, tu verras la languette. Est-ce qu'à ce niveau-là de la compétition, tu vois ce que je veux dire? Donc, gaucher le marchand, acheter un stylo. Bon, déjà, quand je suis rentré dans le magasin, tous les livres, je t'annonce si j'ai perdu connaissance. C'est déjà direct. Les gosses de la sécu sont venus, m'ont filé un bout de sucre avec du riz classe. Je t'annonce, ça m'a fait mon goûter. Bon, bref. Bon, go, on n'est pas là pour branler la mémé. Donc, un verre, du ricasso, du scotch, le stylo qui va bien, de l'eau. Bon, si t'as un CAP peinture, marouflage et compagnie, quoi, tu sais où on en est là. Rien que quand tu dis marouflage, Valérie D'Amido s'est assise et commence à prendre des notes. Bon, une fois que t'as fait ton coloriage, quoi, tu viens me décoller les bandes sur le côté pour que ça fasse propre. Donc, là, je t'annonce, moi perso, j'ai niqué le verre. Avec le cutter. En plus, c'est le verre de mon grand-père, il me l'avait donné juste avant de mourir, il m'avait dit je te donne mon verre d'apéritif. Ah, petit, je peux te dire que j'étais un peu fier. Bon, bref, démonstration du petit ch'tibidi qui va bien. Donc, comme prévu, du ricassou, et hop, dès que c'est bien dosé, normalement, regarde. Déjà, à ce niveau-là, on sait qu'il s'est raté. On sait que c'est un truc qui sert à rien. Bon, allez, c'est pas grave, quoi, enflé pour enflé, quoi. Bon, j'ai essayé. Bon, allez, je te laisse. Il me remercie pas, là, pour le coup.